ce combat entre Camille et Elena. L'avantage, on est en main blanche. Hammerlock maintenant. Ça commence pas très bien pour Camille. Full Nelson. On se dégage avec beaucoup d'agilité. Et non. La puissance là d'Elena. Oh, Wheelbarrow Face Buster. Et on est en surfboard. Et les cheveux là, les cheveux. Non, non, non. Une minute de match. Il s'affiche déjà, monsieur l'arbitre. Va falloir se tenir un peu plus convaincant, un peu plus autoritaire. On va s'attendre à beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance du côté de la face noire. C'est son sourire, on s'attaque au genou gauche de Camille. Et tremblement, pour la casser la pierre. Pas de prise dans les corps. Il est là d'une sympathie, d'une bonhomie tout à fait réjouissante. Et Camille qui revient, regardez-moi là, j'ai l'idée de cette jeune catcheuse. Ah bah, à la volée, bien appliquée. Et la sauchassée, on peut applaudir Camille, s'il vous plaît, qui fait preuve de beaucoup de maîtrise et de précision. Et non, beaucoup trop robuste. Un coup de la corde à linge, le fameux, le cultissime coup de la corde à linge. Classique, mais efficace. Allez, debout là, mes mères. Camille qui est en grande difficulté assez rapidement. Étranglement dans le coin. Et des coups de bélier. Attention, elle est en ciseaux de tête. Elle a volé. Bravo Camille. Et un deuxième ciseau de tête. On pourrait voir de la lucha libre ici. À Paris, on est sur la deuxième corde. Elle est étourdie, Elena, faut en profiter. Sur la troisième corde, là, ça peut être dangereux, elle prend des risques. Un plongeon directement sur la tête. On tente de tomber un, deux, et c'est terminé. Oui, sur la tête directement. La gagnante de ce premier combat, et ça n'a pas été simple, on peut l'applaudir.